Et 73, la belette. Les 73, la belette de Dindy 33 sur Libourne. Les 73, la belette, là, je t'entends dans le fin fond, dans le lointain, là-bas. Et tu vas aller travailler un peu, là, pour nous payer nos vacances. Eh, il m'entend pas. Il arrête pas de papoter, quoi. Attention la belette pour Dindy 33 qui t'appelle depuis la National 89 à la hauteur de Artigues près de Bordeaux. Putain cette pipelette celui-là, mais tu vas aller travailler un petit peu, tu vas aller payer un petit peu la retraite là, des autres là, pendant que moi je suis en vacances. Chie trois coups. Putain, je t'entendais tout à l'heure, j'étais à Libourne. Putain, je t'entendais, la putain d'une vraie gonzesse. Aïe, 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 aïe. Ce chat que tu as, toi, là, quand à chaque fois que tu es en fréquence. Ah, chie. Hop, là, on a parlé en même temps. Je t'avisais, je suis dans la... Ok, d'accord, ben voilà, là, je suis dans la partie limite à 90, là, sur la Nationale 89, là. Ben, la hauteur d'Artigues. Eh bien, j'ai pas la bouteille qui va avec, j'ai pas de tire-bouchon non plus, ça roule, c'est tout cuir. Ouais, mais c'est normal, la bouteille qui passe avant tout, c'est moi qui l'ai prise. Ok. Alors, de mon côté, il n'y a aucun bouchon, hein. J'ai rien du tout là. Moi, j'ai un bouchon, mais c'est mes collègues, je vais pas leur faire les dossiers, ils vont me taper après. Aïe, aïe. Ok, ça marche, ben, je suis en balade là, encore aujourd'hui, là, tu vois, là. Pendant qu'il y en a qui bossent, d'autres se promènent. Il y a un petit côté plaisant, tu vois, quelque part. Ah, chie. Ok, bosse bien, la prudence sur la route, promène-toi bien, à la prochaine. Ok, il n'y a pas de problème, on dirait. Ok, ciao. Du monde sur les 40 canaux. Il suffit juste de prendre le micro et de ne pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à sa place. Alors pour la deuxième caméra, dommage, mais je l'ai oublié à la maison. Donc le paysage, vous l'aurez autrement.
Je sais pas si vers la place, vous prenez de la place. Et ce 113-51, les stations en fréquence de la part de Dindier 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bise sur le pare-choc, la belette, hachis trois coups. Oh, je m'en fous, je t'entends pas, Rémi, je t'entends pas, je suis dans le tunnel. Moi, je suis du côté de Lisbonne, ça passe pas là-bas. Ah putain, je vois ça, tu m'as dit, tu m'arrives même pas les cacahuètes arrivent. J'allais dire, tu m'arriveras deux cacahuètes, mais même pas ça, ça arrive. Bon, attends, j'arrive, on va faire un face-à-face, mon petit Rémi. Je sors de la zone, j'arrive, je vais arriver les côtes. Ouais, non, mais y a pas de problème, je te laisse discuter avec ton collègue. Ouais, mais j'arrive bien, les collègues, la France, j'ai plus envie d'en parler. C'est-à-dire, ils connaissent des camions, j'en parle pas, ces mecs-là. Ok, bien le bonjour à 73-51 de la part de Dindier 33 dans la descente là, du pont d'Aquitaine. C'est, excuse-moi, là j'ai un petit peu de bruit de mon côté, j'ai pas tout compris. Si j'ai bien compris, tu viens juste de remonter la CIBI, c'est ça? Bon, il doit être parti livré à tous les coups. On va pas trop vite, Rémi, on va se louper, moi je vais pas tarder à partir sur la rocade. Eh ben, je suis allé à hauteur de la première sortie là en bas de la rocade, direction Mérignac. Non, mais ça, je me doute, ouais. C'est parti faire un tour à Martignac ou quoi? Hé, comment tu le sais? Ah, juste comme ça, une intuition féminine, comme on dit. Oh putain! Ah tiens, toi qui es un grand civiste, une question comme ça, tu aurais un conseil à quelqu'un comme ça, un poste de civil, tiré vers lequel? Bah, moi, si j'ose aller voir le marchand, c'est mieux, hein. Oh putain, je l'ai pas vu venir celle-là. Pourtant, elle était tellement simple et tellement tendue. Bon, ben d'accord, ça c'est fait. C'est plus le père, c'est un barbare. Ah oui, comme tu dis. Ah, tu es de quel côté là? Là, je sors de parc à conteneur de bruit. Je vais rentrer d'ici quelques petites secondes sur la rocade. On est 3000 pas d'attention, monsieur le troisième. Ok, je suis pas loin d'arriver là, aux stations ISO, là, qui est sur le lac. Eh bien, ça tombe bien, toi, t'es dans ton juste à 100 mètres sur la rocade. Putain, c'est bon ça, je vais te voir là. Ah ouais, mais tu fais gaffe parce que c'est éblouissant, parce que moi j'ai un physique. Généralement, ça éblouit toujours, hein. Là, je passe devant ces manes, devant ces parois, là. C'est un rouleau avec des petits vivants, donc accroché au rétroviseur. Ok. Ben, si tu me croises sur la rocade, ben, je suis toujours avec la même voiture, le Duster blanc avec l'antenne en plein centre du toit. Mais je sais pas, il y a plein de voitures, juste comme le soleil brille, hein, j'aime pas demander, ils ont tous identifié. Bon, là, je viens de passer le petit lac, on va arriver à la trappe Bretelle avant le grand lac. Ok, je suis en train de jeter là d'autre côté pour voir. T'es en benne là, c'est ça? Ah non, il y a une benne devant moi, il y a un porte-container vide et moi je suis le deuxième porte-container vide. D'accord, la benne, le porte-container. Ah oui, t'es juste là à côté. Ah oui, je viens de te remplacer, mon petit ami, y'a pas de problème, ouais, effectivement. Putain, c'est qui fait péter les lunettes de soleil en plus, hein. Mais encore, c'est limite, hein. Faut pas que le masque à souder pour pas avoir les yeux brûlés. C'est bizarre parce que mon YK qui est à côté de moi, t'as même pas vu, quoi. Pour dire à quel point t'es transparent, quoi. Ah non,
s'appelle le large contrôleur, c'est pour ça. Ah, ta réponse à tout, toi, hein? Ouais, je vois ça, là. Autrement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, oui, effectivement, là, je suis chez Christophe, là, chez SAV Radio 33, comme ça, en balade. Oh, mais je me suis bien douté. Je sais où est-ce que t'as tes repères, donc, il n'y a pas de problème. T'as assez souvent parlé. Je vois un petit peu ce qu'il a comme matériel, comme ça, tac. Plutôt que de regarder sur internet, plutôt que d'appeler au téléphone, et ben on y va direct. Ah ouais, mais ça, faut faire rien, c'est ça, ça fait des trous, Oh oui, ça fait des trous dans le portefeuille, ça. Eh ben, le prochain coup, je te dirai si ça a fait un trou ou pas. Ouais, mais toi, c'est malon, parce que si j'avais su que t'allais faire les cours, j'aurais passé ma commande, parce que moi, j'ai besoin de matériel aussi. D'accord, t'as besoin de quoi, d'un poste CB? Bah, on va dire, on va prendre le même que le tien pour commencer, déjà, ça sent pas mal, hein. Parce que moi, le mien, il est petit, c'est le modèle en dessous du tien, il est trop petit pour en servir. Oui, c'est ça, vu ce que t'as comme poste en plus, trop petit, alors là, j'ai un doute, hein. Donc, c'est des conneries, ça. Ça s'agit pas, tu fais les gros bisous à madame de ma part. Y'a pas de problème, t'as retourné tout ça. Hop là, là je t'ai perdu là. C'est normal parce que pour le coup je passe vraiment de bonne. Ouais, tu la remercies grandement, ça fait chaud au cœur. Garde ton cœur, mais là où il est placé. Elle a le mien à la place. Voilà. Tu l'approches derrière à la lame, ton pas. Ah, tu vois, ils arrivent tous en même temps en France à bouger là. Voilà, de François, il y avait la carrosserie. Aïe aïe. Ouais, t'as remarqué aussi, il y a du monde sur la rocade. À croire que les gens, ils ont pas envie de rouler ailleurs. Ah ouais, et puis l'autre, il essaie de me doubler par la droite, et puis il a bien grand chose, c'est bon. Ils ont aussi éventuellement dans les parchemins de s'enterrer. Il a compris s'arrêter, c'est bizarre, c'est vrai. Ah, vous voulez peut-être voir comment a été fait le camion, là, par en dessous. Ah ouais, il y en a quand même sur place, c'est arrivé pour régner le plat. Il faut quand même être un peu con, aussi. Sur place, on a mis les mêles, ça vaut la tête de prendre 2 secondes. Ouais, je sais, ils sont nombreux, c'est là en plus. Hein. Bon, allez, mon petit, je vais te laisser te promener parce que je suis en train d'aller QRM du Grand Français. Je te fais des gros bisous ici, camarade, et puis je te dis à bientôt. Ok, ça marche. Moi, je dois pas être très loin. Ouais, ben, je suis sur la rocade. Ok, les 73 à toi, bonne balade. À plus tard. Bon, on s'y attend plus dans la journée, ouais, je suis la navette entre Bastet et Bruges. Alors, normalement, on devrait se recopier. Oh, c'est possible. Tiens, je vais pas tarder à arriver à la hauteur du radar, là, du radar fixe. Je suis plus du côté de quelle sortie il est. Hein. Bon, bref, pas loin des îles. Affirmatif, il est entre la 7 et la 8. Mais tu passes à la fin, autant dit, tu vois, le mec, il sait pas, il t'allume et il s'est fait une lumière blanche pour te dire bonjour. Putain, et moi qui essaie de fuir les paparazzi en plus. Ah, chi. Allez, mon petit ami, je vais rester prudent parce qu'il n'arrête pas de piller ses cons sur le pont, là. Allez, bonne balade, à plus, ciao. Ok, ciao. Yannick, où tu es, je te vois plus. J'arrive au lac. Thank you.
Je suis à Martignas, là, la belette. Je t'entends encore. Hein. Pas de problème, on dirait que ça t'a un peu dévêté, ça t'a rien, aucun problème. Putain la vache, la gueule que t'as là-dessus, quoi. On peut être n'importe où en France qu'on arrive encore à t'entendre. Putain, oui. Bon, voilà, je suis à quelques mètres, là, de SAV Radio 33. Allez, à plus. Ça marche plus. Putain oui, là je suis juste à côté du bâtiment là, de SMB Radio 33 et là tu m'es bien arrivé là. Ok, à plus, ciao. Les bottes 1351, la part de Dandy 33, là, bah, j'arrive de Martignas. Attends, coquillette, j'ai un passage de QRM. Ouais, je disais les 73 à toi de la part de Dandy 33, voilà, sur la route de Martignas. Je suis au Bosca. Ah oui, putain, mais tu passes bien là. Oh, ben ça va, ça passe bien, là. Je t'entends mieux, que le dernier coup, que mardi, oui. Ok, il y a un Jackson derrière, une 45 derrière, ok, ouais, je me souviens, tu m'avais dit. Ah ben là, non, c'est toujours là, le CRT 7009 que j'ai là. Et au niveau de l'antenne, sur le toit de la voiture, c'est une Wilson 5000. Ok,
Bah, maman, j'ai une 180, mais si je la mets pas parce qu'avec les puissances de. Si tu veux, si j'ai un petit engage de avec les mains, si tu veux, et avec le vent, ça me décolle la tête. Ouais, mais tu m'étonnes, l'antenne est trop grande et la base magnétique est trop petite. Là, c'est sûr que là, avec une base magnétique, avec une antenne comme ça, il te faut au moins une base magnétique de 180 mm de diamètre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais justement, là, sur mon forum, la planète Sibi-Francophone, elle est présentée dessus, là, cette base magnétique. Et justement, dans les particularités, elle est bien spécifique, c'est pour les grandes antennes. Ok. Mais il n'y a pas eu un parrain avant ou un truc comme ça ? Ah, pour ma part, non. Par contre, si ça t'intéresse, bon, pas pour aujourd'hui, parce que là, il est en plein déménagement. Tu as le magasin SAV Radio 33 qui est à Martignas. Du côté de la zone industrielle de Martignas, en prenant la route de contournement, là, ce serait intéressant de lui poser la question. Voilà, de toute façon, tu as son site, ses coordonnées et tout sur Internet. SAV Radio 33. Ok. Je sors de chez lui justement et je savais pas que je tombais en plein déménagement. Ouais, là, ah chier. Ok. Tu peux y aller, j'ai pas arrêté pour. Tu peux y aller. Hein. Et t'es la belette que j'entends derrière. Oui, il est de retour. J'arrive à une commune, quand il y a un panneau, je lis, il y a marqué Bilbao. Mais qu'est-ce qu'il me dit, Bilbao, mais. T'as pas l'impression qu'il y a un bout de route, toi, avec Bilbao? Vous, c'est fourré là-bas en Espagne. Ah non, j'ai confondu, c'est Bruges, ça commençait par un B. Je me suis dit, non, c'est Bilbao, Eh, l'heure de l'apéro, c'est une fois quand tu t'es arrêté, hein, c'est pas avant. Hein. Bon, je sais pas, moi, j'ai vu que tu l'as direct dans la cabine, alors j'en sais rien. Putain, qui c'est qui consomme le plus? Le camion ou le bonhomme? Je crois que j'ai compris. Ah, tiens, voilà, on est sorti là de SAV Radio 33, là, on est en balade. Putain, il est en plein déménagement là. Oh, il change pas grand chose, hein, il change juste. Et c'est toujours le même bâtiment, toujours le même escalier pour monter à sa boutique. Sauf que si par hasard, si tu connais, avant il fallait aller en face pour entrer dans la boutique, maintenant il faudra prendre la porte de droite. Enfin maintenant, à partir de lundi, oui, je crois, à partir du 14. Oui, je crois que c'est ça. À partir du 14, il faudra prendre la porte de droite et non plus celle d'en face pour entrer dans la boutique. Tout le long. Là, je viens à une montée de QRM, là, du coup, j'ai pas entendu les conneries que t'as sorti. Ah, chi. Putain, la vache, j'ai deux QRM, là, ici. Ensuite, comment c'est déjà, là, le QRZ Coquillette. Voilà, Coquillette, t'es toujours là avec nous? Toujours tout droit. Bon, j'entends plus Coquillette, il a dû se faire manger. Hachi. Eh bien tiens, on va aller manger nous au centre routier là tout à l'heure. Peut-être quand il verra. Ah non, je suis en poste mobile. Ah putain, je me mélange les crayons, quoi. Ok, bon, là je suis plus avec ta belette, je suis avec Coquillette. Hachi. Alors je me suis mélangé les crayons, Coquillette, avec la belette. Et pour le coup, vous avez la même voix tous les deux. Ok. Ah, je suis au niveau des ronds-points là, de la route de Martignas. Hein. Avant les derniers ronds-points là, avant d'arriver à la rocade. Okay, c'est pour la galère, hein.
Ouais. Non, là, je suis quoi? Non, je suis en train de regarder le poste, je suis en puissance mini. Hein. Allez, au bout de ça, je suis au niveau de la sortie 7, chez Hôtel, c'est Hôtel. Ouais, bon, moi je suis au niveau du rond-point de la route de Martinez, c'est pas loin l'un de l'autre. Hein. Ok, hein. J'ai un peu plus marché bien aussi. Hein. J'ai eu des sticks au miroir ce matin là, pour que ça passe mieux. Ouais. Ah, chi! Alors, cette. Attends, j'ai un autre truc allumé là, ce qui crachote. Hein. Voilà, j'ai baissé le volume. Alors, toi, cette connerie là. Plus d'une fois, je me suis amusé à le faire, ça, à dire ça comme ça. Et bien, il y en a eu un qui l'a fait quand même. Hein. Il a passé l'antenne au miroir, puis il est venu me dire ben, je trouve pas de différence, je trouve pas que ça marche mieux. Ben oui, c'est normal. Ben, c'est sûr, si tu en passes vieille à l'eau, tu vas voir, ça va arriver bien sûr. Ah oui, alors, ben oui, tu m'étonnes. L'antenne trempée dans l'eau, là ça te fait un plan maritime, là, comme il faut. Ah ben le voilà la belette là derrière. Je suis au niveau de. J'arrive là au niveau des feux là, de la route de Martignas pour après rattraper la rocade. Et là tout à l'heure la belette, je m'en vais manger là, au centre routier bord de lac. Ok, il n'y a pas de problème pour ça, mon petit. Vous avez des petits amis qui vont faire une carte à la route à la rabatteur. De toute façon, une bonne journée et puis des enfants. Ok, la belette, tout ça a retourné. Bon gastro pour toi tout à l'heure. Retour à la coquillette pour voir si tu as entendu la belette. Ouais, il n'y a pas de problème pour ça, mais moi je mange pas comme ça, je garde la ligne pour faire aux femmes. Quelle ligne que tu parles. Ta ligne XXL. Ah oui, voilà, c'est sûr, professionnel, comme moi, pour le mieux que d'avoir la ligne, c'est votre tarif. Voilà, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, je sais que ça va faire en plus tard pour les autres. Bon, allez, gros bisous, le bon garçon, il y a. Ok, ça marche, tout ça retourné sur le pare-choc. A plus, bonne route et bon gastro pour tout à l'heure. Ah, le côté que du pare-choc, je te remercie pour le bisou, ça lui a fait plaisir. Ah, ben j'espère bien, oui. Attends, là je suis pas loin, là je suis en train d'arriver sur la bretelle d'accès à la rocade. J'ai du mal à te sortir de ce côté-ci. Ouais. Ça y est, je suis là. Et attention la belette. Par contre, vous ne pouvez pas quitter. Ah, j'appelle pas papillon. Ah, papillon, les bonnes, comment ils vont, les gars? Ah, je cours bien comme il faut et tout le monde. Ah, tu vas pas me faire tomber, j'ai un super aime aujourd'hui. Papillon. On a coquillette, on a papillon, on a la pelette. Ah ben. Et la pelette, c'est là dessus. Il s'est écroulé par le fond, hein. C'était pas l'ancien routier ou l'ancien routier? J'habitais 35 ans sur le Médoc. Ok, oui. Bah, avant, oui, c'était la pour moi, c'était moi, j'avais pas le Médoc, tu vois.
situe par là-bas. Ah, c'est pour ça, à un moment j'ai été. Autrefois, il faisait de la Sibi sur un vélo. Putain, ouais, c'est... Là, ça devait être sympa à voir, ça. La Sibi installée comme ça sur un vélo. Alors, la batterie, tu la colles où? Sur le porte-bagages. Ouais, ça devait être un truc comme ça, hein. Avec deux plaques là, l'une sur un ferraille, je te dis pas, c'est abusé. Ah bah oui, j'imagine. Et ta planète, je te dis pas, j'en ai trouvé. Et quoi, on est dit, alors on est au niveau de la sortie à la sortie. Ok, ben je suis sur la rocade, hein, mais ça bouchonne un petit peu de mon côté. Hein. Je suis pas loin de la sortie Pauillac. Hein. Ok, bon ça. Ouais, mais si on prend pas dans le rat, ça va, il y a personne qui s'est pas emmerdé comme ça. Ouais, non, mais tu vois ce qui est sympa quand ça bouchonne comme ça, c'est que là, pour une fois, t'as le temps de profiter du paysage. C'est, voilà, tu dis, tiens, c'est surtout que là, il n'était pas là le dernier coup. Tiens, ben, il y a ça aussi en plus. Tu vois, c'est, il y a un côté simple. Il faut toujours voir les bons côtés dans les bouchons. Ah, si! Ouais, ça veut dire, les bouchons, c'est un local, il y en a partout. Il faut un petit peu, non, de pétanque. Puis en plus, c'est la région bordelaise, le Bordelais, Saint-Bouchon, c'est plus du vin, ça. C'est sûr. Et je voulais te demander au fait à Daniel, ton collègue, il a rempli le volant, parce que j'ai entendu. Je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Je crois qu'il est en vacances. Et, ah ben, je crois qu'il est... Ah ben, il me semble qu'il doit être en vacances. Ouais, c'est possible, hein. Je crois que la dernière fois j'ai copié, c'est qu'il a fait la croisette sous les trois ensemble. Ok, puis en plus, tu vois, on parle de Daniel, je reçois un SMS. Et comme j'ai le téléphone qui est coincé dans le jean, et bien tant pis, je verrai ça tout à l'heure. Ouais, je vois la bonne excuse pour pas répondre. Ouais, je vois, effectivement. Eh, viens vérifier, tu verras. J'ai le téléphone qui est coincé dans la poche du jean. Donc avec la ceinture assis comme ça, toi ça, c'est, voilà. Non, mais je verrai ça tout à l'heure en arrivant. Vas-y, Daniel, si t'es en fréquence derrière, vas-y, prends le micro. Je reprends Rémi pour répondre au téléphone, tu t'emmerdes pas. Tu dois le rouler à madame, elle est à côté. Ouais, mais j'ai oublié d'amener les outils avec moi pour démonter le volant pour lui passer. Ah, ça va la marche comme ça, jamais on s'en va comme ça, elle les mène dans les postes. Ben si, mais c'est ce que j'ai fait justement. J'ai osé. Bon, j'ai encore été succombé au charme de madame, il a oublié les outils, voilà, encore être emmerdé. Voilà, comme à chaque fois, je peux pas démonter le volant, je peux pas lui passer le volant, je suis baisé. Tout à fait. Oui, bonne bonnette. Qui appelle Belette dans le lointain. Oui, je t'écoute. Allez, bon, je vais vous montrer. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, j'entends gazouiller dans le lointain. J'entends le loup et le Ah ben là, j'entends beaucoup mieux là. Et quel niveau là, quelle sortie? Dans mon cœur. Moi, je crois que je suis à la sortie 7, il me semble. Bon, c'est l'Italie, Pauillac, le Médoc, c'est la sortie 7. On est gros bisous, putain, à force de nous faire des bisous, toi, ça coule partout, quoi. Ok.
je suis dans le virage là avant d'atteindre le Jean Villard par là quoi. Non, c'est la sortie 6 Bruges. Voilà, sortie 6 Bruges à, allez, à 500-600 mètres. Ah ok, c'est derrière moi. Ah, bah j'essaie, mais ça veut pas avancer devant. J'essaie de te rattraper, je vais dire, mais ils veulent pas avancer. C'est pas vrai, ça. Oui, non mais t'as vu le temps de réaction un peu des fois. Oui, c'est ça, Bruges, Blanquefort. Oui. Putain, en plus on a de la chance, il fait beau et tout, ça. Tu dois avoir une belle vue, toi, depuis de plus haut de ton camion, la belette. Hein. Et il n'est plus là. Il est plus là, il est très beau. Bah, je crois que ça passe, écoutez les bêtises. Oui, oui, c'est ça. Ah, il y a un peu de temps, on va sortir des conneries quand même. Hein. Putain, il y a deux CB4 là qui sont en train de passer à côté de nous. Là, il y a une Indian, ça, une Crumble qui vient de passer. Ah, c'est bien sympa tout ça. Hein. Alors, pour le moment, j'ai vendu la moto. Putain, je me suis fait baiser, sans déconner. Je me suis dit, de temps, bon, là, je suis en train de changer de moto, là. Je me suis dit, de temps que la Transalp soit vendue. Bon, c'est pas trop la période et tout, ça va mettre du temps, ok. Résultat, en deux jours elle a été vendue. Oh merde! Putain, en deux jours elle a été vendue par moto? Ouais, on a trouvé un super site là sur internet, Bonnie and Car. Tu penses à Bonnie and Clyde, sauf que tu mets car à la place, Hachi. Et eux prennent. Eux t'aident, t'accompagnent, te prennent tout en charge jusqu'à te remplir les papiers et tout, que t'es plus qu'à signer en bas quoi. C'est à ce point-là. Et je vois au niveau paiement, l'acheteur a voulu passer par un transfert d'argent. Quoi. Donc le site a empoché l'argent. Ce qui fait que du coup, ils m'ont confirmé qu'ils avaient bien l'argent en leur possession. Ok, pas de problème. Toi, c'est vraiment le truc bien carré et tout, ça, nickel. Et oui, en deux jours, elle a été vendue. Quoi. Et c'est un jeune de 28 ans là, qui est sur Lyon. Qui a fait la route en covoiturage comme ça avec quelqu'un et arrive et là, tac, et on a signé des papiers, paf, il est parti avec. Ok. Ah oui, putain, la vache, là on était surpris. Hein. En deux jours vendu, quoi. Putain. Ouais. Si j'ai un verre pour le soir à la piste, il y a du moins. Ouais, mais il va falloir attendre un petit peu là. J'ai pas encore la prochaine. Ah, il y a le micro qui couine un petit peu là. Toi, si tout à l'heure ça allait impeccable, là ce coup-ci il couine un peu. Et là, ça va bien. Oh putain, oui. Chaque fois, j'appuie sur les boutons qui sont en haut du micro et ça me casse. En plus, ce qui est marrant, c'est que dès que ça couine plus, paf, d'un seul coup, on voit que t'as une voix d'homme. J'ai un homme, hein. Non, mais je te taquine, c'est bon, je déconne. Ok. Viens, raconte les conneries, mon gars. Voilà, la belette, il me connaît. Il a bien compris que c'était une connerie. À partir de 7h, je prends tout ça. Putain, ce cacophonie qu'il y a là-dessus, gars. Bon, et puis j'ai perdu ma pilote, si vous voulez, gardez pas voler. Non, Coquillette, il est toujours là avec nous, mais. Zut, comment. Ah non, Papillon, ben, il s'est envolé. Ah, je parle, je sais pas, je l'ai pas vu. C'est pas grave, on recouvrira plus tard.
Ouais, ça me... Oui, tout à fait. Quand il a envie de se reposer de ce côté-ci. Non, c'est bon. Je suis à la hauteur de la sortie zone estivienne Bruges. Oh putain, il y a dû y avoir une émission. Quelqu'un est en QSO sur un autre canal et tout. Et putain, il m'a aspiré à la réception, le gros. Tout à l'heure, ça s'est tendu dans la zone rouge. Les deux fourgonnets qui vont du lit sont le 10 parce qu'ils sont au courant. Non, mais c'est plein les watts. Tu m'étonnes. Surtout eux, hein. En général, là, ils ont ce qu'il faut derrière. Oh, ça me rappelle une fois. Ouais, j'étais en balade aussi. Je m'étais arrêté sur un air de repos là, pour casser la côte. Et oui, il y avait c'était un mid-pète, un portugais, voilà, c'est ça, qui était, j'entends regarder dans Bruges de Tastin, voilà où je suis. J'avais un portugais, un routier portugais qui était garé à côté de moi, et puis je vois son antenne. C'était une antenne américaine, tu sais, les grandes chromées avec la grosse self au milieu. Là. Voilà, bon, j'essaie de discuter un petit peu avec lui, mais est-ce que bon, ben, lui ne parlait pas français, moi je ne parle pas portugais non plus. Mais bon, bref, en montrant nos antennes respectives à Chine, bon, il a compris de quoi je parlais. Et il m'a montré son poste. Le mec, il avait carrément dans son camion un gros décamétrique, un gros Kenwood de brancher dedans. Donc, putain, j'étais bleu quand j'ai vu ça. Le gros matin, c'est comme ça, ils appellent directement la famille en route avec. Ouais, informatif, oui, c'est ça. Et attends, c'est quoi leur canal déjà? Le 37 ou le 35, je sais plus, en LSB. Et putain, oui, c'est vrai que là, ça envoie la patate là-dessus. Hein. Enfin. Quoique, ouais, non, j'ai dit une connerie. Ouais, t'as raison. Ouais, bah c'est vrai qu'autrefois, il y a beaucoup d'étrangers, ouais, notamment les Portugais, les Espagnols, ils aimaient bien ce genre d'antenne. Mais bon, on en voit de moins en moins maintenant. Oui, donc en disant enfin, je pensais, c'est vrai que sur le forum, j'en présente quelques-unes justement là de ces antennes. Mais c'est vrai qu'elles sont pas trop. Les gens ne se jettent pas trop sur celles-là. Ils vont plus vers des antennes, on va dire, plus classiques, on va dire. Bon, ouais, on va faire un grand merveilleux. J'ai mis un mât de 20 mètres sur la cabine, ça marche bien et ça porte bien comme ça. Hein. Eh bien tiens, puisque tu parles de ça, hier, alors, je t'en parlerai une autre fois. Ouais, attends Rémi, oui, parce que je vais te laisser, parce que j'arrive au bureau, là, faut que j'aille vite avant qu'il démonte. Je te dis à tout à l'heure. Ok, ça marche, mais en plus de ça, je suis en train d'arriver, là, je suis presque rendu au centre routier. Ok, bon gastro, il est midi moins le quart, bon gastro à toi, à plus. Coquillette, t'es toujours là? Ah, Coquillette, je crois qu'il s'est fait manger là pour le coup. Ok, je vais essayer de t'entendre en passant par-dessus le pont qui enjambe la rocade là, en direction du centre routier. Ouais, là, je suis en train de te perdre complètement. Ok, Coquillette, j'ai tendu les bonnes 113-51. Là, je suis quasiment rendu. Là, je suis plus qu'à quelques mètres. Bon gastro à toi pour tout à l'heure et à la prochaine sur les ondes. Moi, c'est très aléatoire. C'est, toi, déjà, c'était même pas prévu que je suis en balade sur Bordeaux aujourd'hui. Sinon, je suis en fixe du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Voilà, mais bon, vu ton QTH, en fixe, je suis pas sûr qu'on puisse s'attraper.
là sur la fin, j'étais complètement perdu. Allez, les bonnes 73, beau gastro, à la prochaine. À la prochaine, on va. Putain, c'est toujours les mêmes qu'on entend. Hein. Là, on est sur le parking d'IKEA. Ah, putain, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu as encore dépensé de l'argent, on peut dire aimer. Mais c'est pour ça qu'on en est vite sorti. Ah, c'est pour ça que t'as emmené madame. Ouais, 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 parce qu'elle a un creuson, oui, dans le sac à main. Bon, alors ça, c'est pour revenir avec un lit. Un baluchonneux, une salle à manger, un peu emballé, il n'y a plus qu'à la monter. Ah, ça se coûtait cher, fais gaffe. Hein. Non, mais ça va, on a bien combiné le coup, on n'a pas emmené la remorque avec nous. Ouais, toujours raisonnable, mais qu'il te reste de l'argent pour acheter le bidouille, parce qu'après, tu ne prends plus modulé en ce moment. Alors, la bidouille, tu l'entendras prochainement. Ah, je t'en dirai plus le jour où pour la bidouille. Ah, si! Parce que t'as acheté le petit téléphone arrive, c'est président, c'est ça? Ah, encore plus petit, ça c'est trop gros encore. Ah, ouais, 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 quand on est dans la voiture et qu'il faut plus petit, t'as pas rappelé la boîte à gaz, tu vas être emmerdé après. Bah oui, et puis pour discuter d'un siège à l'autre, il faut pas que ce soit trop puissant, quoi. Bah, c'est ça, ouais, parce que si tu as des oreilles à après, il va te taper dessus, t'as plus de temps, hein. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un chapeau sur la tête, ça amortit les coups. Tu m'étonnes, ouais, non, non, pas de conneries, hein, pas pour qu'on fasse le travail aussi. Hein. Oh, j'ai encore une bonne semaine. Ouais, mais toi, quand tu vas y travailler pendant une semaine, tu vas faire des heures supplémentaires pour retrouver les caisses d'hier, hein, parce que là, tu vas te mettre ruiné à la fin du mois. Hein. Oui, je confirme. Je confirme parce que. Oui, je confirme. Ouais, j'ai pas besoin de tout trop fort comme disant, t'as marre de pas, mais je me doute ouais, que tout ça, ça fait mal au portefeuille. Mais bon, bon, profitez d'un collet vivant aussi. Hein. Ah bah, je crois qu'on s'en est un peu trop rappelé pour le coup. C'est pas grave, faut savoir se faire plaisir, c'est le principal. Après, ouais, ben, on verra bien. Hein. Ah bah oui, tiens, par exemple, dernièrement, là, j'ai vendu la moto, mais il y en a une autre qui arrive, hein. Faut pas. Non, non, on va pas se laisser faire. Hein. Ben t'es chez Solex, c'est vers 15 euros. Est-ce que quoi? J'ai pas compris. Chez Solex, c'est vers 15 euros. Chez Solex. Ah chi. Ouais, non, non, il paraît qu'il va te faire hyper performant là-bas chez Solex. Je sais pas si c'est vrai. Alors, comment dire, ouais, c'est un Solex qui fait 1200 cm3. Un peu plus peut-être. Oui, voilà. Tu pédales un petit peu moins pour avancer, quoi. Voilà. Ah ouais, alors ça peut être intéressant peut-être. Le prix est peut-être pas que ça le mettre non plus. Ouais, là pour le coup je m'abstiens de le dire. Mais là c'est vous qui m'avez trouvé les vendeurs à la bidouille, bon, je serais que c'est plus performant, ouais. Ah bah là pour le coup faut vendre une voiture, on a vu le prix. Non je déconne mais bon. Bon après c'est pas grave, c'est fait plaisir ce principal là. Ah bah ça. Ah tiens ce matin ça me revient là. Tu parlais d'antenne montée à 11 mètres de haut. Eh bien tiens, tu prends pas si bien dire. C'est la bidouille, c'est une autre bidouille que j'ai fait hier, ça, là, au cuir.
Alors, je suis parti d'un porte-vélo que tu viens enclencher sur la boule de l'attelage. Et sur le porte-vélo, j'ai attrapé un tube de batte télé sur lequel j'ai mis deux pattes. Et à partir de ces deux pattes, je viens enclaver le tube plus 6 mètres de mât d'antenne et l'antenne par-dessus directement sur l'attelage du vélo. Oui, voilà, exactement, parce que bon, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je m'étais bidouillé un truc là dans une remorque. Bon, c'est bien pratique quand je vais par exemple au salon de Marraine. Là, par contre, je colle la remorque au bâtiment, j'ai l'antenne de monter dans la remorque à 6 mètres de haut. Mais c'est vrai que quand je pars en balade comme ça, à droite, à gauche, que je vais me poser quelque part, manœuvre et tout, ainsi de suite, je peux pas mettre là, faut que j'aille ailleurs. Là, c'est mes pratiques. J'ai le porte-vélo qui de toute façon reste accroché derrière la voiture. Et il me suffit juste de sortir les éléments de ma d'antenne, mis bout à bout et enclavé comme ça sur le porte-vélo, basta, terminé. Bon, ouais, bah, après, le tout c'est que ça marche, et puis qu'on puisse utiliser quand on veut, hein, c'est pas de problème. C'est que Rémi, la voiture, j'arrive en haut du grand panneau. Ok, d'accord, je suis là au parc des Expos, juste au feu, là, au parc des Expos, pour rattraper après direction pour l'Aquitaine. Ah, c'est bon, donc tu veux dire par là, je vais te rouler sur la tête. Tu fais gaffe parce que la mise en prise, ça fait mal avec un camion. Hein. Oh, vu la coupe de cheveux, je crois que la mise en prise ne craindra pas grand chose. Bon, ok, bah, non, c'était sûr de faire l'arrêt au milieu, ça fait professionnellement parlant, quoi. Hein. Alors, pour l'arrêt au milieu, c'est plus une piste d'atterrissage à mouche, au niveau de la largeur de l'arrêt au milieu. Ouais, je vois ce dont tu veux me parler, peut-être que les années sont passées plus vite que prévu, peut-être. Bon, à 55 ans, je vais pas me plaindre quand même. Non, t'en fous, on est bon, le principal, c'est qu'on plaise encore, hein. Et puis de toute façon, de toute manière, comme on peut rien y faire, pour ça, tu as une raison de suite. Hein. Putain, mais t'as raison. Oui, tant que madame me convainc qu'on va monter à côté de toi en voiture, c'est bon à finir. Ah, puis du moment qu'elle ne confond pas mon cul et ma tête, c'est le principal. Ah ouais, parfait, il faut faire attention parce que des fois, il y a plus de poids sur les fesses que sur le crâne. Hein. C'est quoi, se tromper de face, hein. Ah 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 ah. Ah oui, tu peux, là t'as fait un essai d'intelligence, ça relève le niveau. Et l'année prochaine, je m'inscris pour le Sciences Po, on sait jamais, j'ai peut-être une chance. Ok, bon, eh bien, écoute, je vais te laisser, je vais appeler le petit collègue là, que je viens de croiser en vitesse, Patrick, t'es dans le coin. Ah ouais, bon, là t'as hissé la tête, il est plus moins tranquille, non. Bon, ok. Bon, tu vas faire tes emplettes alors, Rémi, là. Là, on va peut-être arrêter, là, pour le coup. On prend la fuite direction le cuir. Hein. Mais attends, je suis en bas du coup, Aquitaine, arrête-toi deux secondes, je vais prendre le portefeuille. Comme apparemment, il est plein, on sait jamais si elle peut m'arranger. Bon, là, il est plus. Il est plus du tout, là. Vu là, comme t'as pas eu bidou tout à l'heure, là, à propos d'un Samir 1233, oui, t'as raison. Là, pour le coup, je vais le passer au-dessus du pont, là, tiens. Bon, allez, autrement dit, t'as plus qu'à aller travailler, mon gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Il n'y a pas de contre hein. Ouais, je suis passé au-dessus du pont qui rejoint la rocade. Ouais, donc là, je suis en plein, là, dans la descente là, de la bretelle d'accès vers le pont d'Aquitaine. Ah ouais, mais là, je viens de passer dans le dos, là, j'arrive à la hauteur, de, je crois, de, qu'il y a sur ma gauche. Ah, bah, trop tard. Alors ben tu sais ce que c'est, professionnel de la route, les mecs ils ont lancé. En plus t'as la grande pente du pont d'Aquitaine, tu passes en bas jusqu'à 200 à l'heure. Oh oui, ah, il y a quelqu'un qui parle derrière. Patrick. Bon, c'est parti, il y a plein de vidéos, je peux parler. Ah, il est toujours Patrick. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens me rejoindre ou quoi? Ça y est, je
Bon, allez, pour moi, je suis dans la montée du pont d'Aquitaine. Après, Jonquille, direction Sept-Émilion, question la bataille. Là-bas, il n'y a pas de magasin, là-bas. On sent tranquille, on sera sûr de ne pas dépenser. Attends, Rémi, si je me rappelle bien, je crois qu'il y a ce qu'on appelle des cartons avec des cannes, il paraît. Il paraît qu'il y a des bouteilles dedans. Et il y en a des fois, ils arrêtent, ils donnent de l'argent et leur donnent des bouteilles en échange. C'est vrai, ça? Oh les cons, comment ils se font arnaquer pour avoir les bouteilles vides comme ça à chaque fois? Ah ouais, non, mais c'est incroyable ça. Alors donc, c'est vrai, ça va, je crois que j'ai des cartes là. Non, 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 je fais attention, mais ça, je vais aller là-bas. Hein. Ouais, mais bon, tu m'as pas dit si elles étaient pleines ou vides, les bouteilles. Alors, je supposais qu'elles étaient vides. Ouais, mais j'ai pas compris qu'il y avait les deux, mais beaucoup de gens, ils achètent ça des pleines. Je sais pas, si on a des pas sur le durable, je sais pas. Ah ouais? Je comprends pas pourquoi, il y a une raison à ça. Ben, je ne sais pas, c'est peut-être par égoïsme, je ne vois pas autre chose. Hein. On va pas faire ça sur moi quand même, ce n'est pas les bouteilles d'eau qui vendent. Oui, j'ai entendu quelqu'un parler derrière. Tu m'entends la radio? Ah oui, les bonnes 73 de la part de Dandy 33 en haut du pont d'Aquitaine. Voilà, je suis en train de redescendre de l'autre côté. Alors, j'ai entendu 31, et puis là, c'est parti après en sucette. Là, je suis de l'autre côté du pont d'Aquitaine maintenant, là, dans les virages de Lormont. Et c'est vrai que dans ce putain de virage, ça passe toujours mal. C'est un des cul-de-sac. Ok, d'accord, ça marche. Ok, la station de 7 ans de Gutsack, ça marche. Les bottes 73-51, bye bye. Bon, la Bennette, là, je suis parti là pour plus t'entendre, là, pour plus t'entendre, n'importe quoi, pour te perdre. Ah, si, je vais t'envoyer des bottes 73-51, là, j'arrive, là, sur la bretelle d'accès, là, de la rocade rive droite. Hein. Alors, promène-toi bien, essaie de pas consommer plus que ton camion. Ah, si, et à la prochaine. Ok, moi aussi je me rappellerai. Ah, c'est trois coups. Ciao. Ciao. Ok, ciao. Ah, c'est pas. On t'appelle la Bennette.
73 des stations depuis la rocade de Libourne. Oui, les 73-51, la station de la part de 14 km 33-01, Dandy 33 en mobile sur le sud-ouest de France, la Gironde, c'est-à-dire Saint-Pédarmand à la hauteur de Saint-Émilion. Oui, les rues Bonne 213 de la station de la barre, oui, c'est bien ça, 14 km 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 mobile, à la hauteur de Saint-Émilion, entre Libourne et Castillon-la-Bataille. Attention, mon ami de la division 14, avez-vous piétage, unité Québec-Viton, une Italie, hein? Oui, 100% QSL, l'Italie, du QTH 14, sud-ouest France. Oui, le QTH 14, mon ami, pouvez-vous me donner votre indicatif et votre prénom? Oui, affirmatif. Alors, unité 4, 1, 4, 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
Putain, je me suis retrouvé dans un paquet de QRM. Du coup, là, j'ai eu du mal. J'ai pas vraiment eu QSL, pardon, de ce que vous m'avez demandé. Est-ce que vous pouvez checker du train qui a mis uniforme sur votre rapport QSL? Oui, quelle fréquence? La fréquence 27 205. Ok, c'est parti pour moi. Oui, 100% QSL, enfin 100% OK QSL, la station, oui, ça passe déjà mieux. Et pourtant, je suis surpris de voir comment vous passez bien tout à l'heure, là, en AM. Là, j'étais vraiment surpris, là, d'un seul coup, la Propag nous fait un joli sourire. Ok, mon ami, 14 km pour retour à Zavon, direct avec Victoria. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous passez 57 ici. Oui, j'ai énormément de mal à vous sortir, à vous entendre correctement, car visiblement de mon côté, j'ai un petit problème là, au niveau du poste. Ok, pour le prénom d'opérateur, c'est Rémi, alors Roméo Echo Mike Yankee. Rémi, Roméo Echo Mike Yankee. Ok, pour Rémi, Rémi, 100% QSL, Rémi, 100%, 100% QSL, pas de problème, Rémi. Voilà. Êtes-vous en mobile? Oui, affirmatif. Là, je suis en mobile. Pas très loin de... Je suis à quoi? Peut-être à 5 km de la ville de Saint-Émilion, en mobile. Pour vous, c'est très très bien pour être en mobile. C'est très très bien pour être en mobile. Félicitations, mon ami, pas de problème. Bizarre la propagation d'aujourd'hui. Ok, j'attends ça. Et pouvez-vous me donner votre condition de trafic, QSL? Oui, 100% QSL. Alors pour le poste, c'est un CRT 7009. Voilà, CRT 7009. Et pour l'antenne, c'est une Wilson 5000. Antenne Wilson 5000. Ah oui, 100% QSL, mon ami. Hein. Bon, le WXCC, menace orage, menace orage. Nous avons 30 degrés maintenant et nous attendrons la pluie, je crois, non? Voilà. Mes conditions de trafic, ce sont président Grand à 2, 40, et le vertical Sirio, 827, et la puissance, c'est 15 watts. Ok, mon ami, c'est tout, mes conditions de trafic, ok? À toi, Rémi. Ok, 100% QSL. Ah oui, le président Grant 2. Ah bah oui, maintenant je comprends mieux. C'est un excellent poste. Il marche très très bien celui-là. Ah, on dirait que la propague est retombée. Ah ben. Bon, ok, la propague est retombée de mon côté. Si vous avez encore ma QSL, eh bien, je vous envoie les bonnes 73-51 à vous. Merci pour ce QSO et à la prochaine en fréquence. Bon, les aléas de la radio, comme quoi c'est magique. Et pour le bruit, désolé, mais là ça vient pas de l'opérateur. Je sais, j'ai un souci là sur le poste. Au niveau en uniforme Sierra Bravo, justement. D'ailleurs, on l'entendait aigu, le clarifier, vous voyez où il est. La fréquence. Ah ben oui, je suis comme d'habitude, j'aurais dû monter un peu plus haut. Ok, bon ben voilà, on retourne sur 19, ça c'est fait. Comme quoi, rien ne sert d'aller sur les SUP pour faire des QSO en BLU. Mais voilà, tout simplement, c'est magique. Ça fait. Oui. Je radote comme ça, mais c'est l'excitation qui est là,
C'était tellement soudain que forcément, quelque part, il y a une certaine joie qui se met. Et bien, je ne sais plus quoi dire, moi. 73, c'est parti à tous, merci.